Bienvenue tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Forza Motorsport pour une course, encore une fois, en ligne, dans la catégorie GT3 sur le circuit de Silverstone. On est parti pour 9 tours avec de la stratégie, comme vous le savez, etc. J'ai pas encore décidé, à l'heure actuelle il reste 7 minutes avant le début de la course, j'ai pas encore décidé la stratégie que je vais employer, donc on verra bien début de course. Je vais faire les qualifications de mon côté et nous on se retrouve sur la grille de départ. Bon, je me classe 6ème normalement. On va voir. J'ai fait les qualifications pour une fois. Bon. Allez. On est en inter. Oh putain! Mais putain! J'ai perdu énormément de position, hein. C'est passé. Putain, mon volant, il a fait un drôle de truc aussi. Compliqué, hein. C'est début de course. Il me ferme la porte, hein. J'ai l'impression que dans les enchaînements rapides, je suis un peu plus rapide. Je
Pour l'instant, les pneus, ça va. Pour l'instant, on est 8ème, on est bien. J'ai perdu quand même 2 positions par rapport à ma position de départ. C'est un kiff, réellement. Il va falloir que je rentre au stand. La course en elle-même, ça va. Je me suis fait un peu bousculer sur le départ. Et devant, ça lag beaucoup, hein, j'ai l'impression. Ça rentre au stand pour la Ferrari. Ça rentre au stand derrière, j'ai l'impression aussi. Allez. Pour l'instant, on est bien, on est 8ème. On va mettre les pneus. Et on va pas mettre de carburant. On est parti pour le reste de la course. Même pas où ce qu'on va ressortir. Ok, ici. Il y a un bug, on voit plus mes mains. On voit plus les mains du pilote, on les voyait pas dès le début ou quoi? Ah, ça me perturbe. On est toujours 8ème.
rattrape celui derrière. Oh putain, l'erreur, oh l'erreur! Derrière, me rattrape aussi. Putain, ils sont. Ils ont mis un boost ou quoi? Ou ils ont mis les pneus soft? Ah, maintenant j'ai peur de réaccélérer à ce virage là. Bien joué, hein. Franchement. En fait, m'arrêter au stand, je sais pas si ça a été une bonne idée en fait. Dernier tour.
Là, je le recolle parce qu'il a une pénalité, en fait. Je l'ai largement mal pris. Et il manquait rien, hein. Ah là là, je suis assez dégoûté, hein, parce que un tour de plus, je pense que j'avais des pneus beaucoup plus frais par rapport aux trois de devant. Un tour de plus et je les avais. C'est dommage. Alors, comme vous avez pu voir sur la course, ça a été une course plutôt fun. Franchement, j'ai pris énormément de kiff à rouler sur cette piste de Silverstone. Au fur et à mesure des tours, je me sentais de plus en plus à l'aise. J'ai fait des erreurs de pilotage, des erreurs de freinage, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, c'est le jeu. Moi, franchement, il me plaît vraiment beaucoup. Pour celui qui me demandait mon rang de pilote, ma compétence, je suis en sécurité A. Et je suis en compétence à 4756. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien, si ça à quoi que ça équivaut. J'en sais strictement rien. Donc pour ceux qui le savent, dites-le moi dans les commentaires. J'ai fait des erreurs, ce qui a permis aux autres de rentrer, de me dépasser. Est-ce qu'il a fallu rentrer au stand? Ça, je ne sais pas, parce que... Bah, du coup, je suis quand même rentré dans les stands 8e, sorti 8e. Ensuite, j'ai eu du mal à m'en remettre. Je sais pas pourquoi. J'ai eu du mal à m'en remettre dans le bain. On voyait que les autres étaient beaucoup plus rapides derrière. Et celui de devant, la Ferrari aussi. Alors, je pense qu'ils ont mis les softs. Et je pense que, honnêtement, vers la fin, on voyait que je commençais vraiment à les rattraper. Ils avaient un peu plus de mal. Et du coup, un tour de plus. Et je les avais. Ils seraient rentrés au stand un tour avant. Bah, je les avais, en fait. Voilà. C'est un petit rien qui fait que tout peut changer. Mais bon, voilà. 10e, c'est pas non plus énorme. Mais j'ai pris énormément de plaisir. Et c'est ça le principal, j'ai envie de dire. C'est de se faire plaisir. Mais en tout cas, ce Forza Motorsport, depuis le temps que j'ai goûté vraiment en multi. Parce qu'au début, franchement, je crachais dessus, hein, comme tout le monde. Mais j'ai goûté au multi. Il a eu beaucoup de mises à jour. Et le jeu n'a eu que du positif. Et franchement, le jeu, moi, il est énorme. Je prends énormément de kiff. Et j'ai toujours... hâte de recommencer à rouler dessus. Gran Turismo, c'est à part, voilà, mais je trouve que le multi, encore une fois, je me répète, mais le multi est beaucoup mieux fait sur... on a beaucoup plus de diversité sur Forza, et je préfère largement Forza en multi pour l'instant. Pour le moment, je préfère largement Forza. Et les mus, pour l'instant, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que bah, il n'y a pas de course, tout simplement. Il y a des courses, mais il n'y a pas de joueurs. Alors, moi, à l'heure où je fais, aux périodes où je fais, je veux rouler, il n'y a pas de monde inscrit. Et j'ai déjà essayé de lancer une course, mais je me suis retrouvé tout seul. Donc, du coup, voilà, ça sert à rien. Donc, du coup, et les courses où il y a beaucoup de monde, c'est les courses, la course quotidienne, la première course quotidienne novice, où quand tu débutes le jeu, bah, tout le monde va là. Voilà, moi, si je vais monter en rang de pilote et en rang de fair play, c'est pas pour me retrouver dans les novices. Donc, du coup, je suis désolé, mais voilà, même si les courses sont intéressantes, ça me fait un peu chier. Voilà, donc du coup, j'attends. J'attends que les courses se remplissent, tout simplement. Bref, n'oubliez pas, je vais tester aussi Test Drive Solar Crow.
Voilà, je vais le tester pour voir ce que vous en pensez. Enfin, je vais voir ce que j'en pense. Apparemment, il y a beaucoup de soucis, mais je vais me faire un avis moi-même. Puis voilà, tout simplement, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter comme d'habitude, hein, pour faire monter la chaîne. Merci à ceux qui le font. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.